L'application Rap Punchline présente. Volt, on est ravis de te retrouver aujourd'hui pour parler de Punchline, dans Écris-moi une Punchline, parce que t'es quand même un des représentants français de la discipline. Exactement. Donc on est ravis de t'avoir pour en parler. Je les baisse depuis longtemps, je les baisse depuis si longtemps, depuis si longtemps. J'ai toujours tout droit, j'ai acheté une voiture sans clignotant, sans clignotant. Oui, on a baisé, mais sache que je ne t'aime pas pour autant, pas pour autant. Depuis 2012, j'attends toujours que mon avenir soit croquant. Les gens sont méchants, les gens sont mauvais, je rappe depuis l'époque de la street. Alors la Punchline, c'est quelque chose de... En fait, ce qu'il faut comprendre dans la punchline, c'est que c'est quelque chose, c'est un exercice où il y a plusieurs façons de le prendre, tu vois. Il y a des gens pour qui la punchline, c'est juste une belle phrase, tu vois. Mais la punchline, c'est plus que ça. En fait, t'as des punchlines un peu simples, ça veut dire les jeux de mots, entre guillemets, tu vois. Les jeux de mots, ce que moi, je faisais beaucoup à l'ancienne, tu vois. Ça veut dire, tu prends un mot et puis tu fais une métaphore avec, tu vois. Et après, t'as la punchline, la vraie punchline, la numéro 1, la plus dure à faire, c'est la punchline imagée. Ça veut dire qu'en fait, c'est une punchline, c'est une phrase qui va te mettre... En fait, soit tu vas prendre du temps à la comprendre, tu vas te manger une tarte dans un peu plus longtemps quand tu l'as écouté, ou alors c'est... Comment t'expliquer? C'est quelque chose... c'est une phrase que tu peux imaginer en fait dans ta tête. C'est-à-dire quand tu... En fait, c'est même pas une phrase que tu comprends, c'est une phrase que tu vois. C'est-à-dire quand on te l'explique, on te la raconte, tu vois une image dans ta tête qui te montre la phrase et tu pètes les plombs. Et ça, c'est le truc le plus dur à faire. Exactement. Quand Lino, il dit que le peura, c'est du cinéma pour aveugles. C'est peut-être de ça voilà, qu'il parle. Voilà, par exemple, exactement. Voilà. Il y en a plein, mais voilà, celle-là, par exemple. C'est un bon exemple. Et tu sais, tu croiseras deux, trois bâtards sur ton chemin. Ne reporte rien à demain. Qui t'a dit que tu seras là demain? Tu sais, il y a des gens qui se font passer pour des bijoux. En vérité, c'est des cailloux qui sont à la recherche de bijoux. Tu sais, aujourd'hui, tu pleures parce que t'es pas heureux. Mais demain, t'auras des enfants. Ma punchline préférée, c'est une punchline de Booba dans Pitbull. C'est comment ne pas être un Pitbull quand la vie est une chienne, tu vois. Bras levé, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un Pitbull quand la vie est une chienne. Bras levé, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je trouve que cette phrase, elle est jolie, elle est belle. La façon dont il l'a dit, elle est un peu hardcore, tu vois. Mais des fois, il faut être brutal dans ses mots. C'est comme ça que les gens comprennent, tu vois. Et je trouve que même ça résume la vie dans son ensemble, tu vois. C'est pas juste une belle phrase, ça résume la vie dans son ensemble. Et ça résume la vie de plein de gens, tu vois. Il y a plein de gens qui sont dans cette situation, tu vois. Donc pour moi, c'est l'une des plus belles punchlines, en tout cas, tu vois. De ouf. En plus, avec peu de mots, il arrive à exprimer un truc qui touche plein de monde Exactement. Et plein de situations. Exactement. C'est chaud. Ouais. Je viens de là où y a pas d'apesanteur. Dans ton équipe y a que des putes et des menteurs. Me faire fumer restera ma plus grande peur. Pas peur de toi mais du créateur. Qu'ils aillent se faire baiser. J'ai grandi dans la street et les gens le savent. J'ai vu des gens se faire du mal pour l'argent sale. J'ai connu une époque où j'ai régressé. Elle m'a fait du mal, elle m'a blessé. Elle avait pas un cœur, elle avait une arme. Tu dis dans le dernier track de l'album. Ouais, dis-moi. Je parle des meufs tout le temps. Je sais, je peux pas m'en empêcher. Je vais pas me gêner pour en parler maintenant que mes larmes ont séché. Ouais, exactement. Du coup, c'est vrai que c'est un thème qui revient souvent dans ton univers, les meufs, on t'en parle beaucoup. Ouais. Tu dis mes larmes ont séché. Est-ce que du coup tu penses que c'est à cause d'un événement qui t'a touché que ce thème-là il revient souvent? Bon, en fait, concrètement, tu vois ce problème de meufs, c'est bien que tu me poses la question là. Tu vois ce problème de meufs là, de parler de meufs tout le temps, les gens ils me disent ouais, t'as quoi avec les meufs, tout le temps tu les tailles, tu casses les couilles et tout. Moi je suis là, j'explique en fait, tu vois, quand j'étais plus petit, quand j'étais plus jeune. J'avais pas la même vision de la meuf que maintenant, tu vois. Ça veut dire quand j'étais plus jeune, on va dire jusqu'à mes 18 ans. Là, tu vois, j'ai 27 ans, tu vois. Enfin, bientôt 27 ans. Tu vois, à l'époque, j'avais une vision... j'étais un peu dans le monde des bisounours, tu vois ce que je veux dire ou pas. Comme plein de meufs maintenant, en fait. Même à mon âge, il y a des meufs qui sont encore dans ce monde-là, tu vois. Qui croient que tous les hommes, qu'elles peuvent changer un homme elles-mêmes, qu'il y a des hommes qui sont... Je sais pas comment t'expliquer, qui ont aucun défaut, qui vont jamais faire de conneries alors que c'est faux, tu vois. Tous les hommes, ils sont faibles. Tu vois, il y en a qui sont moins faibles que d'autres, mais beaucoup, beaucoup d'hommes sont faibles, tu vois. Il y a plein de meufs qui croient que les paroles, c'est les actes, alors que ça n'a rien à voir. On peut tous dire des choses, après, il faut assumer. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que moi, dans ma tête, à l'époque, je pensais que c'était nous qui étions comme ça. Mais en fait, les meufs aussi, elles sont comme ça. Ça veut dire qu'en fait, une meuf, quand par exemple, un homme, il tombe amoureux d'une femme, quand un homme il tombe amoureux d'une femme, c'est pas à la même puissance et à la même échelle qu'une femme qui tombe amoureuse d'un homme. C'est pas pareil, parce que c'est beaucoup plus rare. Tu vois, un homme, quand il tombe amoureux d'une femme, il est beaucoup plus amoureux, de manière générale, parce que c'est rare. Tu vois, une femme, elle s'attache vite, vu qu'une femme, elle est un peu dans son monde. Ça veut dire,
j'ai vécu des choses à l'époque et j'ai des amis et je vois encore des gens qui vivent des choses qui font que des fois je me dis c'est terrible. Tu vois ou pas, il y a des meufs, ouais. C'est terrible. Tu vois, tu dis c'est pas possible. Ouais, tu peux être une pute à ce point-là, tu vois ce que je veux dire ou pas. Dire il y a des meufs, elles font des trucs à des mecs, ils disent gros, c'est pas possible. Toujours on est là, ouais les hommes c'est des bâtards, nanani. Mais les meufs elles font des trucs de ouf. Après je dis pas qu'il n'y a pas de meufs bien. Il y a des meufs bien sûr. Il y a des mecs bien aussi, tu vois. Mais on parle pas assez, on fait trop passer des hommes pour à chaque fois c'est les bâtards, c'est les charros, c'est les mecs chelous, alors qu'il y a des meufs beaucoup plus vicieuses. Tu vois ce que je veux dire ou pas. Et je veux te dire un truc, il y a beaucoup de gens qu'on parle beaucoup des meufs qui font entre guillemets les putes, tu vois. Ça veut dire qu'ils donnent leur corps ou vas-y c'est des femmes on va dire qui s'attachent à personne entre guillemets, tu vois. Mais il y a des femmes bien. Des femmes bien, entre guillemets des femmes bien, ça veut dire il y a des femmes qui se font passer pour des meufs bien, ça veut dire c'est des meufs, vas-y elles font rien, elles sont vierges, ce que tu veux, mais elles ont beaucoup plus de vices que ces meufs-là, tu vois. C'est pas parce que tu kennes avec tout le monde que t'es une pute. Et c'est pas parce que tu kennes pas avec tout le monde que t'es pas une pute. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a des meufs qui kennent pas, c'est de grosses putes. C'est comme ça, c'est la vie, tu vois ce que je veux dire ou pas? Elles font des trucs beaucoup plus vexants que ça, tu vois. Il y a des putes qui s'assument pas en fait. Ouais. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Ah, je me suis grave étalé sur le sujet, non, mais il fallait en parler, tu vois. Non, mais c'était important parce que je pense que les gens t'attendent là-dessus. Et exactement. C'est important que tu dises que tu mets pas tout le monde dans le même sac. Non, bien sûr. Et que bon, toi, t'as vécu des expériences avec des meufs parce que t'es un gars. Ouais. Mais que tu sais que aussi les gars, ça peut être pareil. Que c'est surtout l'humain en général qui est vicieux, quoi. Exactement. Et que exactement. Il faut le rappeler que ça va dans tous les sens. Exactement. Ok. T'as sucé toute la terre, tu veux que je vienne te câliner. Maintenant, quand t'as fumé, tu veux tirer sur le calumet. Rebeut, tu sais bien qui je suis. Je fais confiance au destin, même si je ne suis pas dit. Si je serai convié au festin, je veux ma ville à ma piscine. Les jaloux veulent m'éteindre, je peux devenir agressif. Je vais pas te faire un dessin. Et maman, je t'aime, peu importe la distance. Je fais ce que tu veux, c'est pas la peine d'assister. Bah, ça va encore parler de la vie. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avance, c'est comme ça que je réfléchis dans la vie. C'est même pas une punchline, c'est un proverbe. C'est un proverbe qu'on m'a sorti une fois. En gros, c'est un proverbe chinois. Mmh. T'as vu, c'est un proverbe chinois qui dit quoi? Qui dit quand le singe n'arrive pas à atteindre le fruit au-dessus de l'arbre, il dit que celui-ci est amer. Ça veut dire qu'en gros, quand une personne, tu vois, elle veut un fruit, elle veut quelque chose dans la vie, quand cette personne, elle veut quelque chose, elle va toujours dire, elle va tout faire pour avoir cette chose-là. Et une fois, une fois que la personne voit qu'elle n'arrive pas à l'atteindre, elle voit que la personne n'arrive pas à atteindre le fruit, elle n'arrive pas à atteindre ce truc-là, elle va tout de suite dire que c'est de la merde, que c'est dégueulasse, c'est nul. Juste parce qu'elle n'a pas atteint. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et il y a plein de gens dans ce cas, ça marche dans plein de cas. Tu vois exactement, ce que je veux dire, c'est grave applicable au rap français. Exactement. C'est en général les gens qui ont le moins de réussite, qui sont les plus prompts à critiquer ce qui marche à ce moment-là, au exactement. Même moment. Quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Je connais tous leurs vices, je n'ai plus d'orifice. J'aimerais savoir comment tu coûtes m'enculer. Si t'es une pute, je vais pas faire la fille bien. Matin mosquée, le soir au méridien. Tu pleures parce que tu ne trouves pas de mec bien. Déjà demande-toi si t'en mérites un. Je ne vois plus mon reflet dans mon miroir. L'important c'est de le faire et d'y croire. Je te fais croire qu'on va juste dormir. Mais j'ai 2-3 capotes dans mon tiroir. On va passer directement au cœur de l'émission. La dernière rubrique, écris-moi une punchline. Je vais te donner 3 thèmes. J'attends ça. Tu pourras soit choisir un des 3 thèmes, écrire une punchline dessus, soit essayer de placer les 3. Okay. Les 3 thèmes, c'est fracture, okay. Ice MC et les punchlines. Ok, d'accord. Donc, je vais mettre 3. Si tu veux placer les 3, soit je mets les 3 mots, soit j'en mets qu'un sur les 3. Soit t'en mets qu'un seul. Okay. Ouais. Ok, vas-y, c'est bon. Yeah, yeah. Mon cœur est mort depuis longtemps, je me fais sucer dans ma C3. Les sentiments, dis-moi c'est quoi? Tu veux mon argent et mon temps, dis-moi ce que tu fais avec moi. Bébé, t'es qu'une pute de mémoire, mes pensées sont toujours très noires. Personne m'arrête comme un guépard, faire la course c'est revenir au départ. Donc j'avance tout droit, je prends mon temps, je me demande si l'avenir est croquant. Un pote c'est là juste quand t'es bien, un frère c'est là même quand t'es mal. Fais gaffe, un pote c'est celui qui tire sur toi, un frère c'est celui qui prend les balles. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Je suis content, j'ai quitté le bendo. J'ai des soucis, je réponds plus au bigo. Tu connais ni mes joies ni mes blèmes pro. On n'a pas la même vie, pas les mêmes go. Volt, on se retrouve. Je rappelle, les 3 thèmes étaient fracture, Ice MC et les punchlines. Et du coup, tu nous as concocté. Alors, ça donne. Avec Ice, j'écris des punchlines qui servent à payer les factures. Et si la mort te brise les os, sache que la vie est une fracture. Voilà. lourd de ouf. Bon. En tout cas, on est grave bon. Content de t'avoir eu. On a merci senti l'expertise de la punchline merci du début à la fin. Merci. Et merci à toi. Vraiment, force merci pour le projet. Merci, Vincent. Yeah. Au revoir.